La raison humaine a cette destinée particulière d'être accablée de questions qu'elle ne peut écarter, car elles lui sont proposées par la nature de la raison elle-même. S'il te plaît, Yuri, tu pourrais arrêter avec ta bite parce que je n'arrive pas à me concentrer. Oh, j'ai pas l'impression que tu es très chaude aujourd'hui. Hein. Si je prie papa, je ne fais pas la scène, moi. Oh là, c'est pas vrai, c'est ma meuf, elle m'attend. Quoi ce bordel ? Je suis de la partie. Je suis réel, c'est même moi qui dois faire ce putain de film. Donc appelle Pedro de la prod, s'il te plaît. Non mais attends, moi je te connais pas, peut-être t'es un psychopathe, j'en sais rien. Putain, mais c'est toi le psychopathe, mec. Putain, tu peux expliquer à ce verrou là. Non mais c'est bon, c'est mon copain. Ah, c'est bon ? Ça va ? Ouais. Pourquoi tu réponds pas ? Ça fait deux fois que je t'appelle. J'ai pas entendu. Ah ouais. Oh, Yuri ! Qu'est-ce que tu fais là, ça va ? Bah, je vais voir comment ça bosse un peu, quoi. Ah, tu peux pas t'empêcher, hein. Bah quoi, c'est ma meuf qui tourne, je vais vérifier comment on la traite, c'est tout, quoi. C'est bon, t'énerve pas, va. Bon, sinon ça va. Il paraît que t'avais pas trop la forme. Bah, je sais pas, Candice m'a dit que t'avais pas trop la forme. Tu vas rester pendant qu'on tourne ? Bah, je sais pas, ouais, ça te dérange. 14h. Tu l'as fait discrète ? Ah bah, elles arrivent à 14h. Ouais, t'inquiète, je me connais. D'abord la scène avec les tristes, là. Mais elle a 404, tu l'as. Hey. Salut. Salut. Bon. On fait ça. Hein ? Ouais. Je suis Franck Mathieu. Salut. Je suis réalisateur. C'est moi qui, à la base, devais faire le tournage, en fait. Ah ouais ? Je sais pas, moi on m'a appelé il y a 5 jours, on m'a dit viens, il y a un tournage avec Andy Stoll et je suis là, voilà. C'est tout. Non, mais ok, il n'y a pas de problème. Écoute, il faut que je travaille maintenant. Ok. Bon, excuse-moi, tu peux te mettre un peu plus loin s'il te plaît là. Ah, ça va, c'est bon. Putain. Non mais je préfère que tu restes pas là. Ah, ça va, je gêne pas, je dis rien là. Oh Yuri, mon pote, tu rentres le ventre, tu sors la bite, hein, t'oublies pas. Hein. Bon, tu sors. Putain, mais ça va, c'est quoi cette ambiance pourrie, là ? C'est pas vrai, hein ? Bon, allez, Franck, ça suffit maintenant, s'il te plaît. Laisse-nous, parce que tu vas nous mettre en retard. Mais c'est lui qui fait perdre du temps aussi, là. C'est quoi cette équipe de bras cassés ? C'est pas ça, le cinéma. Putain, vivement que tu sois sur mon tournage, j'aurais que tu te marres un peu. Hein. Parce que là, franchement, bon courage, quoi. Tu sors. Ok. Bon, à plus, Yuri. Hein ? Putain, mais sans déconner, quoi. Quel petit bâtard, t'as vu comment il m'a pris par surprise ? Putain, si j'avais le temps, je retournerais le défoncer, quoi. Tu saignes. Putain, sans déconner. Il a pas une moto, là, une bagnole que je lui explose à cet enculé, là. Putain, t'es con, quoi ? T'imagines dans quel état ça met, moi, par rapport à l'équipe ? J'y retourne, j'ai une scène à faire, là. Eh ben vas-y, va retourner tes potes au style international. Toi, je suis bien contente de pas l'avoir, ce style, parce que pour moi, c'est pas ça, faire un film de cul. C'est pas ça, la baise. Franchement, tu sais quoi, tes potes, ils me font marrer, là, ça me fait marrer, hein. Quelle bande de cons, quoi. Qu'est-ce que t'as en ce moment ? C'est cette histoire de procès qui te met dans cet état-là ? On va pas en appel. Mais tu m'as dit qu'il restait une audience ? Oui, mais bon. Voilà, j'ai reçu une lettre ce matin, un recommandé du tribunal administratif. Voilà, qui rejette l'appel parce que c'est infondé et que ça peut se retourner contre moi même pour harcèlement, je sais pas quoi. Enfin, n'importe quoi. Ça veut dire que tu vas pas toucher les 50 000 ? Ah non. Mais tu vas faire comment alors pour ta boîte et je tes pas, films ? Je sais pas, j'ai trouvé un moyen. Voilà, faut peut-être que je fasse une croix sur le projet de 2001, l'Odyssée d'espace. Et je reviens à ce que je sais faire, voilà, du gonzo, c'est bon. Et bah voilà, c'est très bien ça. C'est bien que cette histoire de procès, elle soit passée. Comme ça, c'est derrière toi tout ça. Et maintenant, tu vas pouvoir te concentrer sur l'avenir, d'accord ? Hein ? J'y retourne. Ouais, bon. Bon, bah je t'embrasse pas. Hein. À ce soir ? Ouais, on se retrouve à l'appart. Oui. Ok. Comment peut-il y avoir dans l'esprit une intuition extérieure qui précède les objets mêmes et qui en détermine a priori le concept ? Oh putain, c'est quoi cette nouvelle mode de fermer la porte, là ? T'es relou, hein ? T'as appelé Colmax ? Non, j'ai oublié. Oh putain. Non mais c'est abusé, quoi. Après, ils vont penser qu'on se fout de leur gueule, quoi. Oh putain, faut tout gérer, quoi. Bon, on les appelle demain, quoi, ensemble. Ok ? Parce que sinon, ça va nous passer sous le nez, cette affaire, là. Hein. Ah non, mais ça, c'est la télévision. Parce qu'au départ, hein, c'était un petit peu confidentiel comme ça, sous le manteau. Et dès qu'elle est passée chez Ruquier, oh non, mais là, au salon, ah, hein, c'était dingue. Ah oui ? Ah oui, au salon. Excusez-moi, le chouette, c'est pour moi. Les gens sont curieux de ça. Non, mais évidemment, mais ça intrigue. D'autant qu'on n'a pas autant de personnalités que ça qui viennent de la région.
y a Thierry Beccaro. Oui, d'accord, enfin, à part ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans Candice, ça passait pas au niveau de la banque. Hein. Ah ouais. Oh bah non, hein, Jean-Pierre. Non, tu te rends compte, c'est quand même dingue d'avoir besoin de sa fille pour obtenir un prêt. Ouais, non, mais c'est le monde à l'envers, je te dis. Les financiers, ils sont très frileux, ils se bordent sur tout et tout ça. Et du coup, on a été obligés de prendre un rendez-vous. Ah. Salut Jean-Pierre. Salut Michel. Qu'est-ce que je disais déjà? Non, mais écoute, c'est sûr, on vit une drôle d'époque. Ah bah oui. Aujourd'hui, hein. Le désir. La frontière est ténue entre le désir naturel et son dérèglement. Mais qu'en est-il du désir de vérité ? Car il s'agit bien là aussi d'un désir. Selon Sextus Empiricus, c'est un dérèglement, une folie. De ce désir, là aussi, il faut s'en détacher. C'est en s'arrachant de ce désir impétueux de vérité qu'on atteint la quiétude, l'ataraxie stoïcienne. Car en philosophie, où tout est affaire de clarté, le problème, c'est le trouble. Merci de votre attention. Même de son cours est paradoxal. Il passe son temps à nous répéter que la recherche de la vérité, c'est la perte de temps. Il peut pas s'empêcher d'en parler. Alors c'est quoi? C'est que ça devient titillé quelque part, quand même. Je crois qu'il l'avouera jamais, mais la vérité, ça l'excite. Salut. Chez l'esthéticienne. Mais t'y es pas allée la semaine dernière déjà? Bah ça repousse. C'est nouveau ces fringues, non? Et sinon, Kant, c'est bien? Kant? Critique de la raison pure. Ah oui, c'est un bouquin que je me suis acheté la semaine dernière. D'accord. Et sinon, j'imagine que t'as appelé Colmax? Oui. Ouais. Et alors, en fait, on était plusieurs meufs en compète, et ils ont choisi Vanessa Del Toro. Non, Vanessa Del Toro? Mais ouais. Ah, incroyable. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Moi, j'ai appelé Colmax. Ils m'ont dit aucune nouvelle, voilà. Par contre, ils sont toujours à fond sur toi. C'est marrant, hein? Tu t'es inscrite en philo, c'est ça? Et alors, tu vas m'interdire de m'inscrire en philo? Non, mais ça veut dire quoi? Que tu lâches tout? Que tu me laisses tomber? Mais pas du tout. Je vais pas être la première à faire des études et une carrière. Mais l'année dernière, tu pouvais faire les deux. Les autres, elles peuvent faire les deux. Mais toi, maintenant, tu comprends, il faut que le X, il faut que tu sois à 100%, quoi. Et à ton niveau, le X, en plus, c'est plus en France que ça va se passer. C'est aux States, c'est à Buda, enfin, réalise un peu. Mais c'est toi qui m'as dit que ce serait que des petits coups de jet. Ah ouais, bien sûr. Et quand Colmax, ils vont t'envoyer à Ibiza ou aux States, tu vas faire comment? Tu vas demander des polycopiers? Tu vas prendre des cours par correspondance?
Et puis tu vas dire non, je peux pas aller à shooting parce que j'ai un examen cet après-midi. C'est ça l'idée? Bah j'ai qu'à pas faire Colmax. Mais non, mais comme ça, on aura plus de temps et puis, bah... Et si j'y arrive, j'y arrive, et si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais en tout cas, moi, j'arrête pas la philo. Bon, enfin, faut surtout que t'arrêtes les conneries. Candice! Ah, putain. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Tu me fais pas confiance ou quoi? Mais je t'en ai parlé, tu m'as dit que c'était pas une bonne idée. De toute façon, chaque fois qu'on parle, tu finis toujours par avoir raison. Alors voilà, je me suis inscrite sans te demander. Mais tu peux... Mais tu peux pas dire que ça... Il faut pas parler de ce qu'on a fait, merde. Et puis tu te rends compte du nombre de gens qui sont impliqués dans ce projet. Tu t'en fous, hein? Candice, tu m'entends? Ouais! Tu m'entends? Allô Marlène? Ouais, c'est Franck. Ouais, moi ça va, ouais. Non, c'est Candice, c'est, ça va pas là, c'est. Non, non, rien de grave. Voilà, faut vous le parliez et la raisonner, parce que là, c'est, ça part en sucette, oui. C'est n'importe quoi. Bah, je sais pas, voilà, elle parle que de philo, Colmax pour l'instant, bah. C'est en suspens, moi, voilà, ça me fout dans une position. Bah, c'est la merde, quoi, faut lui parler, faut la raisonner. Moi, je peux pas. Oui, non, mais calmez-vous, Franck, calmez-vous. Ne hein, vous inquiétez pas, on va trouver une solution, d'accord? Allez. Qu'est-ce qui relève de l'essence d'une chose? Est-ce la totalité ou la globalité qui détermine les éléments qui la composent, les parties lui étant alors subordonnées, ou sont-ce ces parties qui déterminent la totalité, le tout dépendant des parties? Pour Aristote, la totalité dépasse la somme de toutes ses parties. Plotin reviendra sur la question dans les Énéades où se trouvent les fragments conservés par Christian de Hénin. Parce qu'elle consiste à devenir semblable à l'objet senti. Merci, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite des Énéades. Comme Bergson, quand il définit l'apport de l'intuition dans la philosophie. Il parle de ça, en fait. C'est une question de rapidité de la pensée, de tempo de la pensée. Vous avez lu l'euro. Bon, voilà. C'est comme Kant. Kant, parfois, disant en 500 pages ce que Nietzsche ou Kierkegaard ou même Rimbaud dit en une phrase. Vous avez vu qu'on a des vedettes cette année. Pourquoi, c'est qui? C'est Candice Dole, t'es pas au courant? C'est la hardeuse préférée des Français. Candice Dole? Elle est passée chez Ruquier l'autre soir. Je sais pas, j'ai pas la télé. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est en cours. Hein? Moi, je lui ferais bien réviser son ploplota. Oh, ça va, les garçons. Eh, moi, j'ai rien dit. Et ce week-end, je vais changer toute la sellerie, tu vois. C'est quoi, sellerie? C'est les sièges intérieurs, tout ça, quoi. Siège baquet ou Imperali. Le moteur, je l'ai changé, j'ai mis un V8. Avant, j'avais le châssis défoncé, pareil, je l'ai changé. Il n'y a plus une seule pièce d'origine. Franchement, ma voiture, si tu l'as jamais vue, jamais tu sais que c'était une Ford Fiesta avant. Mais ta voiture, c'est pas que l'addition des pièces qui la composent. Enfin, je veux dire, même si tu changes toutes les pièces de ta voiture, il en restera toujours l'essence. Enfin, moi, c'est un diesel, donc... Parce que tu t'y connais en mécanique, toi. Franchement, Candice, des fois, on dirait que tu as fumé. Parce qu'elle fume. Dis donc, il date un peu ton test hépatite là, t'es pas allé en faire un nouveau? Ah non, j'ai complètement oublié. Ça craint? Attends, oui, ça craint, oui. Ouais, je tourne pas, moi.
Je suis désolée, j'ai oublié. Ben ouais, mais c'est pas la question de savoir si on a un contrôle, mais... moi, je tourne pas si on n'a pas les tests à jour, quoi. Tu le sais, ça. Je m'excuse. Bah ouais, mais... Bon, allez, viens, Yuri. Je suis vraiment désolée. Bah ouais. Attends, franchement, fais gaffe avec ça. Ça va se savoir dans le milieu, les gens aiment pas trop ça. Hein. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes en ce moment? Il se passe quelque chose? Mais non, pas du tout, non. Non, je dis ça parce que jusqu'à maintenant, t'as toujours été pro, alors... T'es sûr que t'es pas en train de déconner? Mais non. Là. Bah quoi, c'est pas ton anniversaire? Bah non, c'est dans 2 jours. Ah oui, mais dans 2 jours, on pouvait pas. Non, non, non. Allez! À toi, bébé. Bah qu'est-ce que t'as joie? T'es pas contente qu'on soit venu? Mais si, ça me fait plaisir, même. Bah, dis donc. Bon anniversaire, ma chérie. Oui, non, mais c'est sûr, c'est ce que je dis, à un moment donné, faut se lancer. Non, mais évidemment, bien sûr, mais faut y aller. Non, puis je vois, moi, par exemple, au début, c'était pas un choix, hein. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que voilà, l'indépendance, il n'y a rien à nier. Ben oui. Puis on n'allait pas rester toute notre vie pépère comme ça, avec notre franchise. Hein, Jean-Pierre? Ah ben non, alors. Ben oui. Bon, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, la philo. Ça va? C'est intéressant? Ah bon? Vous êtes au courant? Oui, Franck nous en a parlé un petit peu. Ben écoute, c'est dur, mais je m'accroche. Et les gens sont sympas? Tu t'es fait des amis? Non, pas encore. Franck nous disait qu'il était un petit peu inquiet de savoir si c'était bien compatible avec tes activités professionnelles, quoi. Ça va, ça te prend pas trop de temps? Bah si, un peu, mais... Bah oui, forcément. C'est sûr, ça doit pas être facile de mener les deux activités de front, quoi. Puis encore, si c'était des études qui menaient à quelque chose, mais là, la philo... Quoi, la philo? Non, mais je veux dire, au niveau des débouchés. Qu'est-ce que tu peux faire avec un diplôme de philo? Prof de philo? Prof de philo. Je fais pas ça pour le diplôme. Ah bon? Pourquoi alors? Mais je sais pas, y a quelque chose qui m'attire dedans. Je sais pas quoi, c'est... à l'intérieur, je sens comme une aspiration. Je peux pas expliquer plus. C'est comme si quelqu'un me demandait de faire ça. Ouais, non, je sais, ça paraît débile, genre j'entends des voix, mais c'est comme ça. On sait où ça mène de se poser trop de questions. Ah bon? À quoi? Moi, j'en parlerai bientôt. Ouais, il est pas mal, hein? Bah, juste lundi par, hein, ouais. Tu m'as dit que quand j'étais née, c'était un accident. Moi, du coup, j'ai pas l'impression d'exister pour de vrai. Bien le marron, hein. Bien. Hein? Oui, c'est un peu quand même. Oui, très marron. Bon, bah j'espère bien qu'il te restera quand même un petit peu de temps pour tes vieux parents. Mais oui, pourquoi? Bah parce que je t'avoue que... on compte quand même un petit peu sur toi pour le prêt. Ah, c'est pour ça? Bah oui. Tu sais bien que c'est très important pour nous. Hein? Pour la banque, tout. Tiens, regarde. Bon, là, c'est juste, ils ont marqué les week-ends, animation week-end et tout ça, mais ça, c'est vraiment, c'est juste pour la banque, ça te concerne pas. Je sais que t'es très occupée. On s'arrangera, on trouvera un moyen et tout ça. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que tu sois vraiment associée au projet, quoi. Je vais faire un petit pipi. Marlène, soyons clairs, si vous êtes là, c'est pour la dissuader de faire de la philo. C'est pas pour lui faire signer votre contrat. On est en train de se la foutre à dos, là. Eh oui, mais écoutez, moi, ce que je veux d'abord, c'est m'assurer. Voilà, le reste, on verra après. Ouais, mais enfin bon, on avait dit qu'on jouait collectif. Mais je joue collectif, Franck. Je joue collectif.
train de s'énerver là. Oh non, mais moi ce que je veux dire, c'est pour son intérêt. C'est du temps perdu, moi, à jamais, on le sait. Bon, je sais pas. À la limite, elle peut peut-être mener sa carrière et puis faire la philo en parallèle. Vous croyez que je vois pas votre petit manège ? Mais pas du tout. Je ferai pas vos trucs. Je vais décider toute seule de ce que j'ai à faire, pour une fois. Et je ferai pas comme Max non plus. Voilà, comme ça c'est bien. Je vais faire de la philo. Et qui c'est qui sera bien emmerdé ? Eh ben c'est vous, qui me prenez pour une débile. Parce que je suis pas débile. Mais Candice, arrête de déconner, s'il te plaît. Lâche-moi. Allez. Oh là, mais tu vas où encore ? Je vais prendre l'air. Ben voilà, bravo. Non, mais ça va lui passer. Et je la connais par cœur. Vous l'avez braquée, maintenant ça va être compliqué. Mais pourquoi tu lui dis pas pour son père ? Ce serait pire.